Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau son, le son OU. OU, je vous le montre, il s'écrit OU. On a donc un O d'abord et un U ensuite. J'ai mis un loup. On entend OU et le loup fait OU. J'ai écrit une petite histoire. OU, OU. Le loup va dans son trou. Je vous le relis. Ou, ou. Le loup va dans son trou. Et on se rappelle donc hein, que ce loup, il regarde dans le fond du trou. C'est le U qui fait le trou. Il a les pattes arrière sur le O. Et ensuite, il y a le U et ça fait OU. Alors, quand on veut lire des choses avec le OU, on peut mettre d'abord le L et on va aller vers le OU, ça va faire LOU. Si on prend M, on va vers le OU, ça va faire MOU. Rrr. Je vous laisse faire à vous. Loup, très bien. Mou, à vous ensuite. Roux, et le dernier. Fou. Alors, on lit les syllabes maintenant. Je vous laisse un peu de temps. On y va ensemble. Loup. Mou, roux, fou. Je vous laisse refaire. Loup, très bien. À vous. Mou, oui, ici. Roux, et le dernier. Fou. J'ai écrit ensuite des mots. Regardez bien, ils commencent tous par une syllabe où il y a le ou et ils se terminent tous par le. Alors le premier, on va lire en rouge foule. On va donc dire foule. Quand il y a plein de monde, il y a la foule. Ici, moule. Donc ça fait moule. Ça peut être une moule. Un coquillage de la mer ou bien un moule pour faire des gâteaux. Celui-là, il va faire k. Donc on va l'associer avec ou, ça va faire coule. Coule. Alors ça peut être le bateau qui coule, ça peut être aussi le nez qui coule. Roule. Roule. Qu'est-ce qui peut rouler? Une voiture ou une balle? B, b. Ça, c'est le B qui fait B. Boule. Une boule. Celui-là, essayez. Il fait P. Poule. Oui, une poule. Donc, ça va faire four. Et oui, ça, c'est le R qui fait R. Four. Celui-là, vous le connaissez. T, t. Avec le OU. Tour, une tour, ou un tour d'ailleurs, on peut faire un tour dehors ou un tour de la cour. Pour, encore le re à la fin, pour. Et celui-ci, on essaye. Lourd, et on ne prononce pas le D, on dit qu'il est muet. Par contre, si on dit elle est lourde, on rajoutera un E et on dira lourde. Mais là, il n'y a pas de E après, donc on dit lourd. Il est lourd ce paquet. Ici, cour. Par exemple, la cour de l'école. Et celui-ci, vous le connaissez, jour. Par exemple, c'est le jour de Noël. Ou bien il fait jour.
Alors, pour la fin, je vous ai fait un petit dessin. C'est la poule. Alors, j'ai pas tout écrit. J'ai juste mis la fin. J'ai écrit le seulement. Donc, j'écris la et il manque la première syllabe. La poule. Comment je vais écrire poule? À vous de me dire comment vous écrivez poule. Alors, vous me dites les lettres ou bien vous essayez de l'écrire vous-même. Vous me dites qu'est-ce que vous allez mettre pour écrire poule. Alors, j'écoute. Vous me dites ou vous dites à vos parents, pou, il faut un P. Alors, je l'écris en détaché, comme ça. Et après, pour faire pou ou, eh bien, il faut le, oui, le O et le U, voilà. Et à la fin, il y a le, donc poule, la poule. Hein, on n'entend pas le E à la fin, mais il est écrit. Et ici, qu'est-ce que j'ai dessiné? Tiens, 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 on voit quoi? Il y a une voiture là, et c'est la route. Ah, ça se termine par T, 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 T. Mais le début, je ne l'ai pas mis. Alors essayez de trouver comment écrire roue. Le te, c'est la deuxième syllabe. Roue, comment vous allez écrire ça? Vous me dites les lettres. On entend rrr. Donc c'est le R. Le petit R. Roue, ou, le O. Et le U, si je l'écris en attaché, je vous montre. Route. Tout est accroché. Voilà. J'ai écrit route. Et pour poule en attaché, je vous montre. Poule. On regarde, j'ai écrit poule. Voilà, c'était la leçon sur le son. Ouh, le loup. À bientôt.